Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de Skyrim. Nous étions quittés ici la dernière fois, donc nous avons récupéré dans la vidéo précédente le deuxième totem d'Irsin. Il y a une quête qui nous a envoyé en fait chercher, enfin tuer un animal à Fort d'hiver, et ça serait vraiment pas mal parce que tout simplement, je vais vous montrer pourquoi. Fort d'hiver, c'est la quête qu'on a besoin. Non, je suis pas en train de me tromper. Fort d'hiver, c'est la quête qu'on a besoin pour aller aussi continuer la Dawnguard pour avoir le parchemin des dragons. Voilà. Donc, c'est vraiment pas une mauvaise idée d'aller directement. Ce que je propose, c'est que vu que j'ai chopé une armure orc dans la dernière vidéo, on va aller essayer d'améliorer l'armure, voir si elle est meilleure que celle d'argent nordique gravé. Voilà. Je pense qu'elle sera meilleure de toute façon. Je pense qu'elle sera bien meilleure. Ouais. Je vais essayer de monter aussi un point de compétence si c'est possible. Donc on va aller faire ça tranquille. On va essayer de monter un peu le perso. Si je peux prendre un point de compétence et prendre le 50%. Ou bien attendez, compétence en armure lourde. Si je peux prendre encore un point. Là c'est 60, donc je pourrais pas le prendre. Panoplie. Donc là j'ai le 25% et j'ai inébranlable. 50 okay, d'équipement lourde. Parce que ça en fait. Merde. Ah putain, c'est chiant ça. Voilà. Alors, bonus d'armure de 25% si vous portez uniforme. Ouais, ok. Donc, comme des... oui, okay. Donc ça ferait 50% de bonus d'armure. C'est pas négligeable du tout. Hein. Et je suis en train de me demander si c'est vraiment intéressant de prendre le point inébranlable après. Je me pose la question. Je sais pas. Écoute, on va aller voir déjà si l'armure orc aide pas mal. Pardon. Je vais voir combien elle fait. Elle sera forcément, parce que je peux emmener en supérieur. Je peux l'améliorer en supérieur. Donc 112. Ouais, il n'y a pas photo. Voilà. Donc je vais l'équiper. J'avais mis quoi, 20 points de vigueur. Ok. Voilà. Elle est pas mal, c'est pas mal encore l'armure l'orque. Hein. Ça, bon, c'est un peu violent. C'est orque, c'est normal quoi. Ça serait bizarre justement que ce ne soit pas. Qu'est-ce que je peux faire? Stallium, Dwemer. Je suis en train de me poser la question. Cuir, acier. Là, il n'y a rien qui est mieux de toute façon. Et en forge, je suis à combien? Je suis à 38, non? C'est pas ça? Ouais, 38, c'est ça. C'est combien le prochain point là-bas? Permet de créer des armes orques. Ah oui, ben non, je l'ai pas encore, donc il faudrait que je monte 12 points. Ça risque d'être difficile en ce moment. Ok! Allons déployer. Enfin, allons balancer un peu. Vous cherchez du matériel? Allez voir. C'est bon, j'ai ce qu'il faut, pour le moment. Pour le moment, je suis tranquille. Si vous attirez des problèmes à Blanche Rive, je vous enfermerai moi-même dans le donjon de Fort. Tu vas dégager de chez moi, espèce de pauvre caca. Tu te prends pour qui, là, sans déconner? Alors. Lingot d'acier. Ou alors je tente de crafter des trucs, mais... J'ai pas mal de peau aussi. Ouais, je pourrais tenter de faire quelques petits trucs. Attendez, si. Est-ce que j'ai des peaux ou des trucs comme ça? J'ai des minerais. Si finalement on va tenter de crafter, on va monter un petit peu le perso. Vous savez que de temps en temps dans les vidéos je fais ça. Pendant une quinzaine de minutes, je fais du craft, je montre ce que je fais. Au moins comme ça vous avez vraiment l'intégrale et vous voyez tout ce que je fais et ça vous aidera certainement peut-être à monter votre perso si justement vous avez besoin ou quoi que ce soit. Par contre peau, voilà. Alors cuir, voilà. Non, des cuirs j'en ai assez. Ok. Allez, on va faire des petits gantelets, non? C'est ce qui est le plus. Voilà, normalement je peux faire des bijoux aussi. Ah non, je peux pas faire des bijoux. Ça fait monter ça? Bon, je pense que
j'ai tout fait là. Ouais, ok. Voilà, bon, moi ça c'est fait. Et je vais aller foutre les gonds et tout ça dans... Ah merde, à chaque fois je me plante. C'est vraiment le réflexe d'aller dans la première porte. Non, 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 tu ne vas pas dans la première porte. Tu vas ici. Vous avez déjà essayé d'être mercenaire ? Oui. Je passe mon temps à ça, mon ami. Parfois, la vie de soldat me manque. Oh, oh. Mais quand je tiens ma fille dans mes bras, je sais que j'ai fait le bon choix. Oh, c'est-il pas mignon ? Alors, attendez, balançons tout ça. Donc, accessoires stockés, oui, oui, oui. Améthyste en acier, oui. Bande de cuir, oui. Corandon, oui. Merde. Tac, crochet, hein, ça on va garder. Tac, tac. Pourquoi la peau de chevreuil il me l'a pas passé en cuir? Sacoche de. Ah oui, non, c'est, oui, c'est avec les lettres. Oui, voilà, j'ai percuté, c'est bon. J'en ai pas besoin de les garder, bonne brute, pas du tout raffiné. Émeraude. Voilà, allez. Faisons un peu d'alchimie. Qu'est-ce que j'ai pas découvert? Ingrédients. Carpudiste. Restauration. Pénalité. Mousse barbu. Pénalité de magie. Invisibilité. Tac, tac, tac. Ah, celle de Springan, j'ai pas vu. Ok. Le coffre, il est vide. Ok. Hop. Alors, pénalité de magie, tac tac, voilà. Tac tac, ok. Restauration de magie, voilà. Parfait. 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 Je peux plus rien faire d'autre. Ok. Oh merde. Du coup, potion. Parce que les potions, on s'en rend pas compte, mais ça prend un foutu point. Potion de magie concentrée, potion de magie, potion de soin. Soin profus, vigueur. Vigueur minime. Alors le parchemin aussi, ça prend une place. Puis ménage, je pense. Bon, je vais le mettre avec les potions, on s'en fout. Voilà, au moins comme ça. Ça me fait un stock d'argent si je dois vendre des trucs, ça me fait un bon stock d'argent. On va aller mettre les armures en haut maintenant. Petit rangement rapide et sympathique. Hop, tiens. On va mettre les bouquins. Voilà. Lydia est toujours là, c'est parfait. Mettons les armures. Bouclier à bande, non. Du coup, c'est en tenue. Je peux mettre la gravée. Bouclier, oui, ça je peux le mettre. Elfique, oui. Ah non, non, attendez. Elfique, je sais pas si j'ai l'enchantement. Putain, où est-ce qu'il est? Bouclier elfique, où est-ce qu'il est? Ah, je l'ai mis où? Ah, oh, c'est chiant. Qu'est-ce que doit me raffiner, bouclier? Pourtant, ils sont censés être triés, non? Même pas, ils sont même pas triés dans... je crois que je l'ai vu, non? Bouclier elfique de magie. Je suis pas sûr de l'avoir, celui-là. Alors, tenue. Armure gravée, où est-ce qu'elle est? Là. On peut la ranger. Bouclier elfique, gantelet en peau. On va les enchanter. Collier d'or, je peux le mettre là. Quoique j'aurais pu enchanter le collier. C'est un peu con ce que j'ai fait là. Ouais, on va déjà aller enchanter tout ça, ça sera pas mal. Voilà, voilà. Voilà, voilà. Allez, allons faire tout ça. Comme ça, je peux enchanter l'armure avec de la vigueur. Ça me permettra d'avoir un peu plus. Je peux enchanter tous les petits gantelets que j'ai fait. J'en ai fait que 5, mais bon, c'est 5 en plus. On a monté un petit peu la forge. Vous voulez pas être mon père? Plus tard, peut-être. Plus tard, si t'es sage. On a monté un peu la forge. On a monté ça. On a fini le totem. Je suis en train de récapituler un peu tout ce que je fais. Hein. On a fait l'alchimie, c'est bon. On a rangé notre sac. On a combien en poids? On a 157 en poids. C'est parfait. C'est fantastique. C'est ce que j'avais besoin.
Des ennuis ? Et puis on va pouvoir aller à Fort d'Hiver, découvrir tout ça, aller papoter pour voir s'ils connaissent pas où est le parchemin des anciens. Et puis ainsi de suite, quoi. Ainsi de suite, ainsi de suite. Vous ne voudriez pas enchanter mon épée ? Elle est si émoussée qu'elle coupe à peine le beurre. C'est que t'as mal entretenu ton épée. Si t'entretiens bien une épée. Et nous discuterons des hostilités. Désenchanté, putain, je le savais. J'en étais sûr que je l'avais pas. Fantastique. Alors. Renfort d'archerie. C'est vrai que j'avais pas fait ça. J'ai pas de bague équipée, il me semble. Renfort de magie. Je vais mettre la résistance à la magie. De 8%. Ça m'emmerde un peu, ça. Qu'est-ce que je fais? Je fais un renfort d'ar... Non, je vais faire la bague, je vais faire un renfort d'archerie quand même. Voilà. De 13%, c'est pas mal. Voilà, ça je vais l'utiliser. Alors, objet armure orc supérieur, je vais l'enchanter avec de la vigueur. Où est-ce qu'il est la vigueur? Vigueur. Voilà. Ensuite. Je vais l'enchanter. Je sais pas si je peux en mettre deux du coup. Je suis pas sûr que je puisse en mettre deux. Je vais quand même l'enchanter de toute façon dans le pire des cas. Voilà. Voilà. Anneau d'or. Ça on s'en fout, c'est juste histoire de voilà. Collier, hop. Résistance à la magie, 2% en plus, c'est ridicule. On s'en fout, ça fait monter l'enchantement. Gantelet en peau, enchantement, vol à la tire, on s'en fout, voilà. Hop, ok. Alors maintenant, est-ce que je peux mettre l'enchantement? Est-ce que je peux mettre les deux bagues? Anneau d'or, les attaques à une main, non, c'est quoi? C'est celui-là. Ah ouais, non, d'accord, c'est que tu peux en mettre qu'un seul sur deux. Bah, je vais mettre celui-là, ça me fera quand même 13%. 13% de plus, c'est pas négligeable. Ok, combien sont là? Il semble que ce maudit conf... Est-ce que toi, tu achètes les trucs un peu spéciaux? Non, t'achètes pas les... Ah si, là, il achète. Ok, vendre. On s'en fout. Ouais, moi, je m'en fous, je vends en crédit, moi, je suis un dingue. Je suis un gueudin. Vous savez, si vous en avez les capacités, vous devriez... Je suis un gueudin, moi. Poisson 48, ben c'est bon, hein. C'est bon. Voilà, les amis, alors désolé, je sais que ça prend toujours un peu de temps, mais au moins, vous voyez ce que je fais. C'est complet. J'ai monté pas mal. Alors, forge... Alors, enchantement, il faudrait aussi que j'investisse des points, parce que là, c'est un scandale. Ils sont 25% plus forts, les enchantements de feu sur les armes, d'accord. Les gemmes spirituelles permettent de disposer un peu plus de magie supplémentaire pour recharger. Grâce au... Les coups de grâce au gardien, pas au personnage. Ça c'est cool. Et ça c'est le summum, quoi. Vous pouvez enchanter deux fois le même objet, c'est fantastique. Il faudrait aussi que je m'y mette plus à l'enchantement. Parce que là pour l'instant je fais vraiment des enchantements de base. Alors qu'on peut avoir des enchantements jusqu'à 50%. Là c'est la folie, quoi. Mais c'est clair que là c'est pas top. Bon, bah écoutez, on va aller vendre maintenant le matériel. Ça fait 15 minutes que j'ai commencé. La moitié, voilà, l'autre moitié ce sera pour jusqu'au voyage, jusqu'au bétoile, quoi. Non, pas au bétoile, fort d'hiver. Là, je vais aller vendre les équipements. Un Bellator, que j'ai sauvé la vie grâce à une sauvegarde miraculeuse. Tiens, d'ailleurs, en parlant de sauvegarde. Voilà. Et normalement, la quête. Extermination. Pourquoi il me l'a mis ça, là? Il reste sa coche. Ah oui, c'est que... Venez voir mon grand choix de viande de qualité.
Prenez votre temps. Je suis sûr que vous trouverez ce que vous cherchez. Oh, t'inquiète. Sinon, demandez-moi. T'inquiète pas pour ça. Il y en a qui appellent ça de la camelote. Moi, j'appelle ça des trésors. Moi, j'appelle ça des trésors. Je sais, t'es un foutu gueudin, mon pote. Potion, non. Livre, non. Crochet spirituel. Voilà, c'est bon. On est paré. Ok, alors comment est-ce que je vais pouvoir aller jusqu'à Obeto, est-ce que j'ai un... Désolé. C'est fort d'hiver, à chaque fois je dis Obeto, mais non, c'est fort d'hiver. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On va jusque là. Parce que du phare, il me semble qu'on peut y aller facilement. Je sais plus le chemin que j'avais pris, moi, la première fois pour y aller. Là, vous voyez, j'ai fait les trois forts là. Écoutez, on va aller au phare et je pense qu'on va, on va faire un tracé comme ça. C'est quoi, c'est l'hôtel de Meridia, ça? D'Azura, pardon. Bah écoutez, non, on va faire ça. Vu que j'ai déjà été... Quoi qu'il est basse, la grotte. On va prendre le phare d'Ivonde. Ok. Je sais. Il est super beau l'arc des drains. Mais bon, je trouve que l'arc invoqué a plus de gueule qu'au final. Alors. Vous avez vu qu'il y a eu un crash quand même, donc je préfère me méfier. Au moins je suis sûr. Quelle classe. Tout dans le cul. Quelle classe, quel talent, les amis. Par contre, ça m'emmerde que la vigueur descende. Elle est pas censée descendre, la vigueur. C'est un troll, ça? Ça a l'air, hein. Ça a l'air. C'est un troll des glaces, mais c'est la première fois qu'on en voit un, la guerre. Ils sont plutôt costauds, donc on va y aller mollo. Voilà, ça c'est fait. Bon ben voilà, je me suis fait un pote sur le chemin, c'est cool. Je me suis fait un pote sur le chemin. Viens mon ami, viens m'aider à avancer dans l'aventure. Tu es mon esclave, j'ai capturé ton âme. Alors. Quoi que t'en fais du bruit quand même. Qu'est-ce que t'es pas beau? Qu'est-ce que t'es moche? Je dois récupérer ta peau, mon pote. Je suis désolé, mais... Voilà. Enfin, quoique, il y a peut-être pas de peau. Ouais, du coup, il est vide. Ah, ça, c'est dommage. Par où allons-nous passer? Là, on y arrivera plus tard. Il n'y a pas de souci. Ça ferait une sacrée chute, ça. On va éviter de faire la chute comme ça. Là, je me suis mis dans la merde. On va remonter. Comment je vais faire pour descendre? Putain, je me souviens plus comment tu descends là. Ah, sinon, on l'a fait à l'arrache, quoi. Voilà, comme ça. Bon bah maintenant il va falloir remonter. Voilà. Oh.
Ah, petit easter egg. Oh, je peux vous le montrer vite fait. Voilà. C'est toujours drôle. C'est toujours drôle d'avoir un petit truc comme ça. Ah, un poteau. Où est-ce qu'il est? Où est-il? Ah, il est là-haut. Il est parti? Oh, c'est dommage. Pour le coup, là, je me le serais bien fait. Ouais. Oula. Ah. C'est un squelette de quoi, ça? De mammouth. Qu'est-ce que c'est que ça? Léo, y a quelqu'un? Ah, problème. Alors attendez, on va se les faire, mais doucement. Voilà, il m'a troll. Bah ouais, plutôt ouais, mais le problème c'est que j'arrive pas à anticiper assez ton mouvement. Ah, saleté. Ça c'est fait. Il en manque un. Il est où? Mais t'es où? Je suis pas sûr que ce soit ça là-bas. Je savais que je vous trouverais. Voilà, ça c'est fait. Il y en avait un autre là-bas que j'ai tué. Ah, c'est qu'ils se sont attaqués à un ours. Ah, c'est bien, ça me fera de la peau. Fantastique. C'est ça qu'ils étaient un petit peu mal en point. Ouh, ceci explique cela. Ceci explique cela. Voyons ça. Il faut absolument que je remonte en fait. Parce que si je remonte pas, ça va me poser problème. En plus, on est en train de se peler les miches là. Quelle idée de venir jusqu'ici, sans déconner. Quoi? Dans le genou! Ah, dans le genou! Ouais, quoi, dans la tête, c'est bien aussi. Alors, peau de troll, il y a moyen d'avoir de la peau, là. Il y a la graisse de troll, mais c'est tout. Ah! Ouais! C'est ça! C'est ça! Voilà, allez hop. Peau de loup, c'est parfait, c'est parfait. C'est parfait. Petite sauvegarde, c'est parfait. Ben on avance, hein. On avance un petit peu, petit à petit, les amis, c'est bien. Alors, c'était pas du tout prévu comme ça, mais c'est pas plus mal. Moi, tout ça, tant qu'on évolue, tant qu'on avance. Putain, mais t'en as partout des trolls de glace, hein. Thank you.
Voilà. Bonne chose de faite, ça. Alors, j'ai tué la chèvre aussi, pour la peau. Voilà. Voilà. Bah, je vous le dis, on va pouvoir monter la forge. Moi, je vais vous faire des armures de peau, les gars. Je vais vous enchaîner les armures de peau. C'est pour moi ce qui, rapport qualité-prix, je pense, est le plus rentable par rapport à la forge. Il y a des trucs qui vous disent, ouais, faites des... comment dire, faites des... Il y a des trucs qui vous disent, ouais, faites des lingots, enfin faites des dagues. Voilà, les dagues, c'est assez intéressant, c'est vrai, par rapport au truc, mais par rapport au prix, sans déconner, il n'y a rien de mieux. Vous baladez, vous chopez des peaux partout, vous créez des armures en peau, ou même des gantelets de peau, et je peux vous assurer que vous allez mais vous faire des... Voilà, vous allez monter la forge, mais trop facilement. Et quand je vous dis facilement, mais c'est... En plus, si vous êtes un peu bon à l'archerie, voilà, c'est jackpot que vous faites des pots, mais à balles, comme je suis en train de me faire là. Ah, ben voilà, ça c'est la route d'Obétoile. Ah, on a fait le ménage. On a fait le ménage. De fort d'hiver. À chaque fois je dis Obétoile, mais non, c'est fort d'hiver, les gars. Ah ben ça fait plaisir. Alors la première fois que j'y ai joué, je suis pas arrivé par ici, si je m'en rappelle. Que je fasse, que je rejoigne l'académie et que je balance des sorts à longueur de journée. Ne pars pas. Où vas-tu comme ça? Allô. Si vous voulez mon avis, c'est tout fort d'hiver qu'aurait dû tomber dans. Probablement c'est pas. C'est de la fourrure qui sort d'essayer. De vos oreilles. Ici, il y a rien à faire à part picoler jusqu'à. Je vends de tout si ça vaut le. J'y ai été contrainte. Je n'avais pas vraiment le choix. Ranmir et moi avons grandi ici. Et il dépense quasiment tout ce que je gagne à la taverne. Sans argent pour déménager, je me suis mise au commerce. Très drôle. Vous aurez sans doute remarqué qu'il n'y a pas fou là, fort d'hiver. Bah oui. Je vends tout ce que je peux. Je mets un prix à la moindre babiole. J'ai été brûlée plusieurs fois. J'ai conclu quelques marchés peu rentables, mais je m'en suis toujours sortie. Oui. C'était de ma faute. J'aurais dû ignorer ces bobards et refuser l'offre. Je me retrouve maintenant avec cette camelote sur les bras. Il était question de cette griffe et du tertre d'Ingrid. Il m'avait dit qu'elle vaudrait plus que son poids en or une fois au tertre. Ça parlait de la replacer dans la chambre d'Ingol, je ne sais plus. Mais où avais-je la tête? Même s'il disait vrai, jamais je n'aurais mis les pieds dans un ancien... Ah oui, ça c'est bien. Ce n'est plus mon affaire. Si vous voulez vérifier par vous-même... Oui, bah voilà, vous vous faites tuer pour cette... Dites, s'il s'avère que cette babiole a un tant soit peu de valeur, vous me le direz, hein. Voilà, parfait. Ouais. Ben merci, merci bien, Brina. C'est très sympa de ta part. Alors attendez, par contre, on était là pour au moins un truc. C'est quoi comme bête Voilà, ça c'est fait. Tranquille quoi, tranquille. Tout en douceur. Tout en douceur. Et ben voilà, on a fait ce qu'on était venu faire ici. Et ben ça fait plaisir. Mais on n'y ira pas encore maintenant. Parce qu'on est dans la guilde des compagnons. Enfin, on fait les compagnons pour le moment. Donc on viendra, je vous le promets. On viendra, je vous le promets, il n'y a pas de souci. Mais pour le moment, on est occupé à faire autre chose. Donc on va retourner voir Aella. Et lui rendre sa fameuse quête. Hein. Je pense qu'elle sera contente. Aux 500 compagnons, 10 grammes qui commandèrent aux premiers humains de bronze. Ouais, c'est ça. Finir par s'attarder un peu partout. C'est ça. Pour ceux qui connaissent l'histoire, un peu le lore hein, de Tamriel, en tout cas. Parce que t'as pas que Tamriel non plus, mais bon, ça après, faut comprendre. Tamriel, c'est un continent, voilà, sur une planète. Voilà, sur Nirn, quoi. Donc,
Voilà. Si j'ai l'occasion un jour, on en parlera peut-être plus tard, je sais pas, dans les épisodes ou quoi. Je pourrais faire des points spécifiques si je vois qu'on a fini un peu, qu'on a bien avancé sur toutes les quêtes ou quoi. J'aurais peut-être des points un peu lore, quoi. En parlant de certains trucs ou quoi. Ça pourrait être intéressant, je pense. Attends, je remets le casque. Ah, te voilà. Vous êtes quelqu'un d'efficace. Le propriétaire de cet endroit doit être soulagé. En tout cas, il a... Vous pourriez me faire l'honneur de vous... Je pense avoir enfin retrouvé la trace du dernier totem. Parfait. Ça n'a pas été facile, mais tout le monde a un prix. Et un certain seuil de tolérance à la douleur. Voulez-vous m'accompagner? Ah bah fais péter, bah allons-y. Nous chassons ensemble. Exactement, bon les amis, les totems d'Ursine. On va se quitter ici, j'espère que ça vous a plu, on se dit à la prochaine. J'ai un bug avec ma jambe gauche, j'ai l'impression, non? Donc je vous dis à la prochaine, n'oubliez pas de partager cette vidéo. Oui c'est ça, j'ai un bug avec la jambe gauche, c'est bien cela. Donc j'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. Et puis à la prochaine, voilà, tout simplement. Allez, salut.